se présente d'abord. Je suis étudiant au département de l'économie. D'accord. Et depuis hier soir, on a un nouveau gouvernement dirigé par la Sina Zerbo. Il s'agit d'un gouvernement resserré, comme l'avait promis le président du FASO. Quels commentaires faites-vous de cette réduction du nombre de députés? Pour moi, personnellement, ce n'est pas une question de réduction du nombre de ministères, de ministres plutôt. Mais pour moi, c'est un problème même du système. Il ne s'agit pas de faire un remaniement, de mettre certaines personnes pour qu'ils puissent davantage payer les ressources. Pour moi, il s'agira d'une transformation qualitative en changeant même le système. D'accord, donc réduire ou pas, ça, pour vous, ça ne change rien? C'est un non-sens pour moi. Je pense qu'il y a plusieurs régimes qui sont passés dans cette situation et ça n'a pas pu changer quelque chose. Et je ne pense pas qu'on doit espérer quelque chose. Un remaniement de gouvernement. Donc vous n'attendez rien par rapport à la situation sécuritaire que vit le pays? Un tel remaniement. Je n'en parle pas parce que c'est le système qui est pour comme je l'ai dit. L'autre élément, c'est que c'est le même programme qui va toujours continuer. Donc c'est pourquoi moi, je suggère à ce qu'on puisse aller dans un changement fondamental même du système. Et que de rester dans ce système, que de faire à chaque fois le remaniement. D'accord. Merci beaucoup.